Ça va? Je veux me marier avec toi. J'ai jamais vu Mounir comme ça. Alors si tu veux habiter à la maison, il n'y a aucun problème. Petit cadeau. Tout ça, c'est pour le papa. Attendez, c'est trop. C'est mon cadeau, c'est tout. Il est le père adoptif de votre mari et il a acheté une maison dans laquelle il va continuer de vivre avec vous. Mais je vis pas avec lui. Hein. Il habite juste avec nous. Je sais pas ce qu'elles ont, les filles, aujourd'hui, mais elles sont infernales. Tu fais trois mômes, tu t'étonnes que t'aies plus de temps pour toi. Je m'installe, j'ai la tête comme ça, je viens juste de rentrer, me casse les oreilles pour un poney. C'est plus possible, on est les uns sur les autres, ça va pas. On pourrait partir, trouver autre chose. J'enseigne pour toi depuis 20 ans, tu me remercies comme ça? On a le droit de vivre en famille quand même. Je peux pas lui faire ça. C'est toi le père de mes enfants, c'est avec toi que je veux vivre. T'es pas si mal ici, non? On manque de rien. J'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de pouvoir dire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je devais la surveiller, c'est ma faute. Qu'est-ce qui provoque, selon vous, ces angoisses? Je sais pas. Tu te rends compte de l'effet sur les enfants quand ils te voient comme ça? J'ai des idées noires. Je me sens emmurée ici et je vois pas de solution, en fait.